toi leader, rien de mon plaisir, mais en doute la sincérité des chiffres de croissance et du chômage révélés par le président de région Serge Letchimy. Quelle est votre analyse ? Alors l'analyse est la même que celle de M. Yannon Plaisir, notre chef de file, comme vous l'avez indiqué, pour la collectivité unique. Moi, je rencontre énormément de personnes qui viennent me voir régulièrement, qui viennent me voir pour des raisons d'emploi, pour la plupart, de logement, mais d'emploi et spécifiquement. Il y a énormément de personnes qui sont au chômage et énormément de personnes qui sont de plus en plus au chômage. On sait très bien qu'il y a des entreprises qui ferment tous les jours parce qu'elles ne sont pas aidées, parce que c'est difficile pour elles. On a des personnes qui partent en France hexagonale tous les jours. On a un problème de démographie en Martinique. Nous sommes le seul département d'outre-mer qui a une récession au niveau des naissances et au niveau des départs. Donc c'est vraiment essentiel. Nous avons en Martinique effectivement un chômage qui augmente. Et ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Les chiffres de l'INSEE sont clairs. Il n'y a pas à regarder. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse encore pouvoir dire ce genre de choses-là. On a des chiffres du chômage qui n'ont été qu'en augmentation en Martinique depuis 5 ans. Depuis 5 ans, il faut entendre les chiffres. Et s'il y a un chômage qui diminue, c'est parce que les gens partent. C'est peut-être la seule cause qui ferait que le chômage diminue en Martinique. C'est parce que les gens qui ne trouvent pas d'emploi en Martinique maintenant, eh bien, ne restent plus en Martinique et essaient de trouver autre chose ailleurs. Ici, je suis dans une école. Tous les jours, nous avons des parents qui partent en France hexagonale, en Guyane, qui partent à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Alors si c'est une satisfaction pour certains, pour moi je trouve qu'au contraire, c'est vraiment un sentiment d'échec. Et j'espère que dans cette nouvelle gouvernance que nous aurons, nous pourrons régler ces problèmes de chômage. Mais on ne peut pas dire que le chômage a diminué en Martinique. En plus de ça, il y a souvent des indicateurs, on dit qu'on va donner du travail aux gens en leur donnant des petits contrats. Des contrats aidés qui ne durent pas très longtemps, qui ne sont pas très payés. On a dans les écoles des gens qui travaillent, effectivement, des femmes essentiellement, qui travaillent, qui touchent quoi par mois? 500, 600 euros par mois? Où allons-nous avant ça? Ces personnes-là sont comptées dans les gens qui ne sont pas au chômage. Moi, je crois qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut dire aux gens, il faut vraiment qu'on puisse faire en sorte que les entreprises puissent à nouveau avoir confiance, que les banques aient envie à nouveau d'investir en Martinique pour qu'on puisse réellement avoir de l'emploi, parce que c'est ça qui est un des fléaux en Martinique, vraiment. La Martinique mange de logements sociaux. Que proposez-vous ? Alors, effectivement, vous avez très bien dit, la Martinique manque de logements sociaux. Nous avons, pas plus tard qu'hier, avant-hier, signé le plan logement outre-mer, qui est un nouveau plan qui va permettre, je l'espère en tout cas, de faire redémarrer à nouveau aussi bien la production de logements sociaux que l'amélioration de l'habitat. Savez-vous qu'en Martinique, on parle de 10 000 logements sociaux qui manqueraient ? Mais vous savez aussi que nous sommes sur un territoire contraint, qu'on ne va pas s'amuser non plus à mettre des cités partout en Martinique. On a un beau cadre de vie, il faut également qu'on puisse réhabiliter les maisons qui sont abîmées, dégradées, voire très dégradées. Il y en a 40 000 en Martinique. Il y a des logements qui sont insalubres, nous en avons 10 000. Si on arrive à mettre tous ces logements à nouveau à disposition des Martiniquais et des Martiniquaises qui n'aiment pas vivre forcément en cité, on voit beaucoup dans beaucoup de cités qu'il y a des problèmes de promiscuité, des problèmes de bruit, des problèmes de nuisance, des problèmes de gêne. Et les gens, maintenant, ils préfèrent plutôt avoir leur petit terrain, leur petite maison tranquille. Et moi, je crois vraiment que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Je l'ai dit lors du passage de Madame la déléguée chargée de la politique de la ville, Madame El Khomri, je lui ai dit ça, qu'il faut impérativement travailler sur l'amélioration de l'habitat. On dit que nous sommes un département qui sera bientôt le plus vieux de France. Pardon. Mais il faut également accompagner les seniors pour qu'ils ne soient pas obligatoirement accueillis en établissement public pour personnes âgées dépendantes. Il faut garder le plus longtemps possible les personnes âgées à leur domicile en améliorant leurs conditions de vie, en améliorant les conditions du logement lui-même, en permettant par exemple que les salles de bain soient réhabilitées pour que les personnes puissent baigner correctement, que également ils puissent circuler dans le logement avec des fauteuils roulants. Donc on a toutes ces pistes-là. Pour moi, les pistes importantes, c'est amélioration d'habitat, réhabilitation, logement évolutif social, qui permettent aux personnes qui sont un peu démunies d'avoir des logements sociaux à eux, des logements à eux. Ça, je crois vraiment en ça. Et je pense qu'il faut impérativement aider toutes ces personnes, leur faire connaître les dispositifs.
beaucoup d'entre eux ne connaissent pas les dispositifs qui sont à leur disposition. Donc c'est beaucoup de communication, de travail avec les personnes et puis des élus à leur écoute qui leur permettent peut-être de régler leurs problèmes spécifiques. Quels sont les dispositifs ? Alors il y a plusieurs dispositifs. Il y a le logement évolutif social qui est un logement, donc une personne a par exemple un terrain et peut faire construire sa maison avec des opérateurs sociaux, avec une faible participation de la personne, participation de l'État, participation du conseil général, participation du conseil régional. Nous avons également les améliorations d'habitat, où là c'est l'État qui va intervenir et qui permettra d'aider la personne à hauteur d'une certaine somme pour améliorer son logement. Donc on a tous ces passés. Et puis il y a quelque chose qui est important, en France hexagonale, on a le prêt viager. Un prêt viager, c'est quoi? C'est quand une personne âgée a une maison, qu'elle a des enfants ou pas, et que cette maison s'abîme. Par exemple, qu'elle doit refaire la toiture, qu'elle doit refaire les sanitaires, qu'elle doit refaire ces choses-là, elle n'a pas l'argent. Parce que vous savez, beaucoup de personnes âgées chez nous, elles sont 80% propriétaires de leur logement, mais elles ont très peu de revenus. Et bien, grâce à ce prêt viager, la banque prête de l'argent à ces personnes qui font des travaux. La maison, ensuite, appartient en fonction du montant prêté à la banque, après un genre de prêt hypothécaire viager. Et ça, ce prêt-là se fait en France hexagonale. En Martinique, ça ne se fait pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne se fait pas? Alors, j'ai posé la question à des banquiers qui m'ont expliqué qu'en Martinique, pour l'instant, il y a tellement de flou au niveau du statut institutionnel de la Martinique que les banques n'ont pas trop envie d'investir en Martinique pour l'instant. Elles le font en France hexagonale. Elles pourraient le faire ici en Martinique, il n'y a pas de raison, les logements sont quand même intéressants, mais elles ne le font pas pour l'instant parce qu'elles ont un peu peur. Par contre, il s'agirait à nos députés et à nos sénateurs de se saisir de ce problème, qui serait peut-être une source importante de résolution de problèmes pour les personnes âgées. Elles auraient des maisons bien réhabilitées, un bien qui prend de la valeur, qui peut être ensuite racheté par les enfants s'ils le veulent, ou bien qui reste dans l'escarcelle de la banque si on n'arrive pas à payer tous ses frais. Mais au moins, la personne finirait sa vie dans des conditions décentes. Et ça, je crois que c'est important au XXIe siècle que nos aînés, qui nous ont portés, qui continuent à nous porter, eh bien, nous puissions leur rendre l'appareil et qu'ils puissent être eux-mêmes dans des conditions décentes de fin de vie, ou en tout cas de poursuite de leur vie. Que vous inspire la réforme des collèges? Alors, la réforme des collèges m'inspire pas forcément beaucoup de bonnes choses parce que je la mettrais en globalisant la réforme des écoles et des collèges. Cette réforme des collèges, elle fait suite à celle des écoles. Si dans l'absolu, l'idée n'est pas mauvaise, je pense qu'effectivement, il faut vraiment se poser des questions au niveau de l'éducation de nos enfants. Parce que vous savez que nous n'avons pas de bons résultats au niveau des évaluations nationales. Les Français sont en deçà des Européens. Et nous, Martiniquais, nous sommes également en deçà des Français hexagonaux. Donc il y a vraiment des questions. Si on aime nos enfants, il y a des questions à se poser. Il faut vraiment faire en sorte que nos enfants réussissent le mieux. Mais il y a une chose qui me choque, par exemple, dans cette réforme des collèges, et même en Martinique, dans la réforme des écoles, c'est qu'on a fait ces systèmes pour qu'on puisse avoir une égalité de traitement au niveau des enfants. Et en fait, ce n'est pas le cas. Regardez en Martinique, la réforme des écoles, par exemple, je vais revenir au collège tout à l'heure, mais la réforme des écoles permet normalement de dégager 45 minutes aux enfants pour pouvoir avoir des activités autres que celles qu'elles font à l'école. Activités de théâtre, de poterie, de sport, de culture, toutes sortes de choses. Et bien, dans chaque commune, comme nous avons décliné ça différemment dans chaque commune, il y a des communes où il n'y a rien qui se passe pour les enfants. Les enfants sont en garderie 45 minutes de plus par jour. Qu'est-ce qui va faire que les enfants vont améliorer leurs résultats avec ces réformes? Je n'en sais rien. Donc on a, si vous voulez, donné un canevas un peu global qui aurait pu être intéressant. Mais lorsqu'on ne donne pas le financement derrière, eh bien c'est perdu d'avance. La réforme des collèges, c'est la même chose. On a des classes, par exemple, des classes qui doivent être amenées à disparaître. Moi, j'ai fait du latin, ça va être tous les jours pour l'orthographe. Moi, je n'aime pas qu'on nivelle le niveau des enfants par le bas. Je pense qu'au contraire, il faut tirer ceux qui sont en bas, en les tirant vers des choses qu'ils sont capables de faire, mais il ne faut pas niveler par le bas. Parce que quand on nivelle par le bas, et ben on fait que les choses deviennent médiocres, et on le voit, on a des enfants beaucoup plus de décrochage scolaire en Martinique qu'ailleurs, il faut se poser les bonnes questions, avec un bon environnement, avec de bonnes pratiques. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a une bonne idée, il y a de mon plaisir à une bonne idée, c'est de faire en sorte que nous, Martiniquais, on est quand même français, caribéens, français, Martiniquais et européens. On a vraiment, pour moi, je trouve qu'on est au carrefour des civilisations. Et je crois qu'au contraire, on devrait profiter de ça, parce que en fait, dans nos écoles, nos enfants devraient déjà être bilingues. Et je pense qu'avec Siyan, et je suis sûre qu'on sera élus,
Ça, on pourra le développer au niveau des écoles, améliorer et faire en sorte que nos enfants puissent sortir du système scolaire martiniquais en ayant au moins une langue couramment parlée et une deuxième langue si possible, que ce soit au moins bi ou trilingue. C'est pas normal que nous, Martiniquais, Martiniquaises, au cœur de la Caraïbe, qui parle espagnol, qui parle anglais, nous soyons encore derrière. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans la section sud, vous serez chef de file de la liste Droite-Centre. Quelles sont les trois priorités qu'il faudrait mettre l'accent dans cette région? Alors, premièrement, le transport. Je crois que vraiment, on ne peut plus faire l'impasse. Écoutez, hier, je suis allée à Fort-de-France. Je n'en suis pas revenue du sud. J'ai pris 2 heures pour arriver sur l'échangeur qui va à la Ménard. 2 heures de temps. C'est pas possible. 2 heures de temps, c'est 2 heures multipliées par tant d'heures de travail. C'est de l'argent perdu pour les entreprises. C'est de l'argent perdu pour les administrations. Donc il faut régler le problème du transport. Enfin, ça, pour moi, c'est la priorité pour les gens du Sud. La deuxième priorité, c'est qu'il y ait, au sein du Sud, en tout cas, une déconcentration des services de la collectivité unique qui sera un gros monstre, vous voyez, qui sera vraiment quelque chose d'énorme, pour que les gens du Sud n'aient pas forcément à descendre obligatoirement à la région, enfin dans les bâtiments qui seront ceux de la région ou du conseil général, mais puissent rester dans le Sud. Par exemple, ça pourrait être basé sur une commune centrale comme Saint-Luce ou bien Rivière-Salée, qui permettrait aux gens de plutôt arriver par là, et qu'on ait là des instances, une déconcentration des services qui permettraient aux gens d'avoir une réponse aux problèmes les plus fréquemment vus. On a souvent, par exemple, l'aide apportée aux jeunes qui vont en France hexagonale pour leurs études. Donc on peut avoir un pôle jeunesse, un pôle senior, un pôle logement, un pôle emploi, tout ça, ça permettra aux gens de rester là. Je crois que ça, c'est important aussi. La troisième chose que je verrais, c'est vraiment des actions intergénérationnelles en direction de nos aînés, et de mettre à côté de ces aînés qui sont là et qui vont continuer à être avec nous, une force nouvelle avec des jeunes. Il y a quelques projets qui existent déjà au CLAJ, Comité Local Autonome des Jeunes pour le Logement, où on a des personnes âgées en résidence senior, par exemple, qui sont accompagnées de jeunes. Donc il y a 2 logements qui sont prévus pour des jeunes, et ces jeunes ont, ça doit se faire à La Réunion ou ça doit se faire en France hexagonale, ces jeunes, on leur paye leur loyer et ils ont à charge, par exemple, de venir donner quelques heures pour ces personnes âgées. Donc ça, c'est des projets que j'aimerais pouvoir mener dans le Sud, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui sont là, qui ont besoin de nous, et j'aimerais qu'on puisse mailler plus ces actions en direction de nos aînés. Ces 3 actes, mais il y en a tellement d'autres à développer. La politique d'outre-mer du gouvernement est de plus en plus difficile à décrypter. Et entre la Guadeloupe et la Martinique, on a l'impression qu'il existe un poids pour 2 mesures. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous avez très bien résumé la situation. On a effectivement un poids 2 mesures. On a même un poids et 4 mesures. En fonction des départements, on est logé à des enseignes différentes. Je vois par exemple, effectivement, pour parler de la Guadeloupe, on a bien vu la mascarade qui s'est passée lors de la venue de notre président, enfin notre président de la République que nous avons à l'heure actuelle, où on a bien entendu qu'il disait que si nous avions des idées, il fallait les inventer, que nous ne demandions pas, que nous nous exigions, qu'il y aura un cyclotron en Martinique, qu'il y aura un cyclotron en Guadeloupe, histoire de se dire, il n'y a pas qu'à dire rien, c'est même bagaille. Là, il n'y a qu'à dire tout le monde content, et puis comme si nous étions dupes. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrête avec ça. On sait très bien que le traitement n'est pas le même entre la Martinique et la Guadeloupe. D'ailleurs, on le voit bien, les investisseurs sont maintenant plus présents en Guadeloupe, moins présents en Martinique. De moins en moins, en plus, parce que si j'espère que ça va, enfin je suis sûre que ça va changer et qu'on n'aura pas à vivre une nouvelle gouvernance de cette ensemble pour une Martinique nouvelle, qui fait beaucoup de dégâts, hein, tant au niveau des personnels qu'au niveau des personnes mêmes. Hein. Je crois qu'il y a un gros malaise au niveau du conseil régional. Beaucoup de gens se plaignent, des agents se plaignent et sont malheureux, parlant beaucoup, hein, pas de harcèlement, mais en tout cas d'être mal dans leur poste, mal dans leur siège. Et bien, si jamais ça continue comme ça, je pense qu'on ira à l'échec et que les investisseurs vont tous tourner le dos à la Martinique, sauf les amis copains. Mais sinon, ça ne marchera pas. Vous savez, je parle aussi d'un problème qui me préoccupe souvent. À La Réunion, par exemple, c'est où les gens n'ont pas honte de dire qu'ils sont français, eh bien, ils utilisent énormément les fonds européens. Ils vont en fait à la région, ils vont en Europe, et ils regardent quels sont les dossiers qui peuvent être portés par l'Europe. Et ils développent ces projets en fonction de ce qui est possible à La Réunion.
Moi, je crois que ce filtre-là est intéressant. Si on arrêtait un jour en Martinique, je pense que ça va se faire très bientôt, mais si on arrêtait un jour de dire en Martinique, ah, nous, Français, on n'est pas Français, nous, si on arrêtait un peu de se poser ces questions existentielles qui ne concernent plus les jeunes en ont assez d'entendre ces relents d'histoire esclavagiste et ça. Oui, on a été, c'est pas nous d'ailleurs qui avons été esclaves, ce sont certains de nos ancêtres hein, qui ont été esclaves. Il faut qu'on arrête avec ça et se dire qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut faire autre chose, qu'on peut se projeter avec la France. Non, pas que là, qu'on a, j'entends des gens dire on a besoin de la France. Non, on n'a pas besoin de la France. On fait partie de la France. C'est très différent. On fait partie de la France. Donc, profitons de ça. Profitons tant qu'il est encore temps, parce que vous savez que la situation est difficile et j'espère qu'elle changera en 2017. Mais profitons de ça pour faire en sorte que notre pays, notre département, puisse s'améliorer. Et en Martinique, malheureusement, tant qu'on n'a pas compris ça, ça va être difficile. Et vous avez raison, on n'est pas logé à la même enseigne parce qu'on a là-bas des gens en Guadeloupe qui savent parler en français hexagonal. Ils font partie de grands partis. Donc ils savent défendre leur cause. À La Réunion, c'est pareil. En Martinique, qui va défendre? Les députés que nous avons vont défendre quelque chose? Comment ils peuvent faire? Ils ne sont pas entendus. Ce ne sont pas des gens qui ont une audibilité là-bas. C'est difficile. Il faut mettre des gens, des députés, des sénateurs, qui vont vraiment porter les dossiers de la Martinique sans en avoir honte. Sans dire qu'aujourd'hui ils sont indépendants, que demain ils ne sont pas indépendants, qu'aujourd'hui ils sont autonomistes, mais pas tout de suite. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc donnons vraiment à des gens qui ont des capacités et qui ont envie d'être porter la voix de la Martinique, voilà, de leur donner vraiment cette chance de travailler pour nous. Et vous verrez qu'on aura certainement un autre traitement de la Martinique. Avez-vous quelque chose à rajouter? Tout d'abord, vous remercier, parce que ce n'est pas souvent que les journalistes nous donnent l'opportunité de nous exprimer sans frein, sans être gênés. Donc, vous remercie beaucoup, Monsieur Massimia, pour cette interview. Et puis, d'autre part, moi, ce que j'aimerais, c'est de retrouver une Martinique sereine, une Martinique où les gens ont envie d'être présents, de travailler, de faire des choses. Et moi, je suis un petit peu triste parfois de voir que on attend toujours sur l'autre, qu'on attend toujours sur le politique, qu'on attend toujours sur la personne qui est à côté, alors que chacun, chacune, on peut faire quelque chose. Et c'est ce que j'aimerais que les Martiniquais, les Martiniquaises qui me regardent, et je les remercie d'être là d'ailleurs avec nous, comprennent, c'est qu'avec Yann Monplaisir, Karine Mousseau, Miguel Aventure, avec tous les gens qui sont avec, et moi-même, et tous les gens qui sont avec nous, nous avons cette façon de voir les choses qui veut dire qu'on ne va pas pleurer, mais qu'on va travailler ensemble pour améliorer les choses. Yann Monplaisir, on aime le dire, est un chef d'entreprise. Moi, j'aimerais plutôt Yann Monplaisir, un créateur d'emplois et un investisseur local. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Et ça, c'est important. Et une action forte que j'aimerais que nous fassions la première fois, quand on sera élu, c'est de rendre transparente la vie politique en Martinique. Moi, je trouve qu'il est indécent que dans les conseils régionaux, les conseils généraux, on retrouve les enfants des élus. Je trouve ça indécent. Alors, si ça se fait parce qu'ils ont des qualités, d'accord, mais disons-le. Et Yann l'a dit, il faudra que ce soit transparent, qu'il y ait des listes de gens qui soient sortis et qu'on sache que telle personne a été embauchée tel jour et pourquoi. Moi, je crois que c'est important et moi, je suis très sereine dans ça parce que mes trois enfants, heureusement, sont placés et n'ont pas besoin des collectivités. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent dans ça. Et d'autre part, je pense également que les élus, à mon avis, devraient réduire un petit peu la voilure au niveau de leur façon de fonctionner. Vous savez, beaucoup d'élus partent en France hexagonale pour des stages, pour des formations, à tout vent. À la région, on part beaucoup au Brésil ces jours-ci, on part beaucoup avec l'argent, les deniers publics, hein, les deniers de vous qui nous regardez ici. Moi, je trouve ça indécent. Moi, j'ai proposé à Yann et à mon groupe que lorsque nous serons élus, alors de base, les billets qu'on proposera aux gens qui portent en formation, il est normal de partir en formation, ben, ce soit le billet minimum, le plus bas, celui qu'on comprend de base. Et les gens qui veulent voyager dans un statut plutôt intermédiaire, un peu plus fort, bien, paieront la différence. Je n'empêche pas aux gens de voyager, mais il ne faut pas que ce soit toujours à des prix exorbitants. Je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on ait... On ne peut pas demander des efforts aux gens et puis que les élus ne fassent pas d'efforts. Ça, à mon avis, ce sera le premier effort que nous devons faire. Et je crois que c'est en montrant aux personnes notre engagement dans la vie publique, qu'on n'est pas là pour remplir ses poches, mais qu'on est là pour le mieux-être de la population, qu'on aura, à mon avis, du crédit et qu'on pourra faire ensemble. Que les gens ne sentent pas qu'à chaque fois, ce sont les politiques qui les arnaquent. Moi, je ne crois pas, d'ailleurs, je le dis tout le temps, Yann Monplaisir n'a pas besoin de la politique. On le sait très bien, donc s'il le fait, c'est que c'est autre chose qui le dirige, comme moi, comme Karine, comme Miguel. On a besoin de faire en sorte que notre Martinique soit plus sereine
pour nos enfants, pour nos personnes âgées, pour nos entreprises, pour nos associations, pour tous les gens qui œuvrent pour le mieux-être de la Martinique. Et je crois qu'il est temps maintenant d'ouvrir nos yeux. Donc à des autres, ouvrez les autres, gardez ça qu'à passer. Si vous êtes aussi heureux, si vous êtes plus heureux maintenant qu'il y a 5 ans, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes moins heureux, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée, ainsi qu'à vous, M. Massignon.